Ah, cette vidéo, il y a vraiment des trucs que si vous connaissez pas la solo queue, c'est vraiment cette vidéo qu'il faut regarder. Parce que là, vous allez voir des trucs, et ça, c'est récurrent. Hein. C'est pas, oui, mais attends, je t'arrête quelques games. Non. À une auto-attaque près, je crevais pour teindre la huile, la Tristana. Peut-être que c'est du sang-froid, je ne sais pas. Quoi? Ah non, c'est pas du sang-froid, non. Salut YouTube. Oh là, attendez, ça commence direct. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui? Ben aujourd'hui, c'est très simple, on a une petite game en silver. Oui, je suis parti en silver, pas pour troller cette fois-ci, non. C'est pourquoi? C'est pour vous expliquer comment, l'impact du rôle support et notamment des healers, puisque j'ai pris Soraka. C'est juste que j'ai pris Star Guardian, ça tout le monde est content. Donc l'impact des supports heal à bas et low, là j'ai pris silver parce que voilà, c'est là où c'est le plus marquant. On va tryhard, je vais tryhard vraiment, hein, je vais vraiment essayer de gagner la game, moi avec Soraka. Vous allez voir que mon impact va être, mais alors 10 fois moins efficace que une luxe que tous les champions que je vous ai déjà donné. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, eh bien c'est mon ADC par exemple qui va devoir faire le taf. Moi je vais juste heal, donc je vais servir. Je vais servir de quoi? Je vais servir juste de tourelle de vie. Mais du coup, je vais pas faire de dégâts. Donc du coup, ça veut dire que je vais être dépendant de ce que vont faire mes copains. Hein, et c'est pas ce qu'on veut en solo queue. Ce qu'on veut en solo queue, c'est carry nous-mêmes, c'est faire le taf nous-mêmes. Et ne pas attendre après ses copinouches. Sinon c'est la fin. C'est pas mal, ok, ça tryhard. Ok. Mon ADC, je critique mon ADC, mais le boss. Attends, mais comment? Ah non, là. Ah, mais il aurait pu me heal. J'ai failli crever, il m'a pas heal. Bon, nickel. Ah, bien sûr, vous allez me dire, oh, die. Tu as vu ton ADC, il est vraiment très fort. En plus, si je joue Soraka, c'est broken. Les mecs, Soraka, c'est broken. Soraka, je vous rappelle que c'est. Genre, une perso comme Soraka, c'est fort. J'ai jamais dit que les persos comme ça étaient nuls. J'ai dit que ce n'est pas bon pour monter. C'est bien différent. Mais ça, les gens n'arrivent pas à faire le. N'arrivent pas à relier le truc. À une auto-attaque près, je crevais pour teindre la huile, la Tristana. Peut-être que c'est du sang-froid, je ne sais pas. Quoi? Ah non, c'est pas du sang-froid, non. Elle a quand même joué, elle a quand même répondu. Donc ça, c'est cool. Dites-moi dans les commentaires si vous, les ADC, réagissent aussi bien. Moi, je suis en silver 2, un truc comme ça. Dites-moi si ça réagit aussi bien, mais honnêtement. Oh, tellement pas de chance. Oh, il est mort, il est mort. Oh! Mais c'est qui s'en sort? C'est lui qui s'en sort, lui? Ah non, attends, il va dash de là. Il va dash de là. Il a le dash? Ouais, il a le dash. Non, elle est morte. Non, elle est décédée. Putain, Lux qui ne bouge pas. Regardez, Lux qui ne bouge pas, qui n'a pas vu. Lux qui ne bouge littéralement pas. Oh non, dommage. Oh non, dommage. Trop triste. Donc voilà, dites-moi si jamais votre ADC joue aussi agressif. Bon, alors là, il a fait une erreur. Une grosse erreur, bien sûr, d'overstay comme ça, alors qu'il est low life. Mais il trade kill, donc on va voir. Je décale ou pas? Vas-y, je décale. Je tryhard comme si je voulais vraiment carry cette game. Je fais des décales. Ça m'arrive dessus. Vas-y, Zako, on y va. Go sur lui. Vas-y, mon pote. Ok. Ouais, sur elle, allez sur elle. Invincible. Oui, Zach par exemple, qui était juste là, il aurait pu lui sauter, mais il est 20 fois dessus. Hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est ok. Vous voyez, en termes de rythme, le rythme comme ça est compliqué à mettre, puisque moi je suis là, j'attends. J'attends que les mecs pressent leur sort. Et s'ils pressent pas leur sort, bah. J'attends encore. Nice, ça a plus de cage. La cage est baited. Baited off my tête, nice. Ouais. Ok. Ça joue. Attention, méfiez-vous. Attendez qu'on arrive dans les moments clutch, ce qu'on appelle clutch. Qu'est-ce que c'est clutch? C'est le moment où il faut faire la différence. Il faut être déterminant. Quel super gameplay sur record. Et les gens qui jouent ça, vous ennuyez pas trop. Je prends de la vie, puisque la vie c'est ce qui est le plus fort en early game quand les gens n'ont pas beaucoup de dégâts. La vie c'est vraiment quelque chose qui va vous faire tanker un maximum plutôt que les résistances. Après, une fois qu'il y a un item, bon. L'armor fait la diff. Hein. Enfin, l'armor ici dans ce cas. Quoi? What the fuck, il est fou? Mais il est complètement fou! Mais qu'est-ce qui. C'est pas un réacteur, hein. Ce n'est pas un acteur. Là, vous pensez que le mec, il est avec moi, que je l'ai payé. Non. J'ai mon R. Alors, regardez. Voilà, pendant ce temps, je veux dire, le fait de jouer Soraka, on a un petit peu gagné la bot lane. En early, c'était bien.
Soraka a fait une erreur, donc elle a donné un kill. Ah, là par contre, est-ce qu'on va devoir... Non, je pense qu'elle peut. Hein. Moi, je pense qu'on win. Pas du tout. Pas du tout. Et du coup, vous voyez, le fait qu'on n'ait pas nous snowball de notre côté, avec des dégâts, pendant ce temps, au top, regardez ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a, on a un Garen qui perd. Mais Garen, il est AFK. Il a rage quit. Il revient ou pas? Report Garen, please. What? Disconnected, reconnected. Ah, il a des décos. Bon, peut-être que ça va revenir, je sais pas, on va voir. Vous n'arrivez pas à prendre de kill tôt. Donc en fait, vous ne donnez pas espoir, entre guillemets, à votre équipe. Parce que si vous êtes à 4-0 en bot lane, et que les mecs se flame en mid jungle, par exemple, vous pouvez toujours dire, guys, I will carry this, tu vois. Et si vous dites ça, bah... En vrai, les mecs sont en mode, vas-y, il y a moyen qu'ils carry, tu vois. Ça, c'est... Oula. Oula, qu'est-ce qu'il fait ? Oula. Oula, c'est mental, ça. Ok, bon, autant... Bon, c'est normal hein, que ça joue comme ça, c'est ok. Ah, cette vidéo, il y a vraiment des trucs que... Si vous connaissez pas la solo queue, c'est vraiment cette vidéo qu'il faut regarder. Parce que là, vous allez voir des trucs, c'est... Et ça, c'est récurrent. Hein. C'est pas... oui, mais attends, je arrête quelques games. Non, enfin, non. Quand vous gagnez, avec des Soraka, par exemple, c'est que vous avez une meilleure équipe. Mais vous ne faites pas la différence. C'est ça que, vous, que la plupart des gens ne comprennent pas. C'est que vous ne faites pas la différence. Vous êtes utile, je dis pas, mais vous ne carriez pas la game. C'est pas parce que vous mettez des heals. Mais j'ai mis des heals. On s'en fout. Mettre un heal à quelqu'un, c'est le tenir en vie. Mais c'est ce quelqu'un qui carrie la game. C'est pas vous. Vous maintenez en vie quelqu'un qui carrie. Alors que c'est à vous d'être le carry. Ah ben voilà, Toby, Toby. Le retour, Toby. Oh là là, oh là là, là, ce silencio, silencio, per favor. Oh, MG, le carry. Ouais, je vous ai dit, je tryhard, hein. Je vous ai dit, je tryhard, par contre. Je ne veux pas vous montrer un truc faussé, je vais tryhard vraiment à fond la caisse, en mode bait et compagnie. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais je vais crever, là. Mais dis donc. Attends, Topi, il est mort. Mais Topi, il est mort. Non, mais... Non mais c'est irréel. C'est irréel ce qu'on voit. Non mais c'est irréel. Mais en soi... Oula. Elle va trouver. Je l'ai maintenu en vie. Ah t'es bien maintenu en vie par contre. Allez toi t'es personne mon garçon. Il a mis une bombe minette dans la tête hein. Ok let's go top. Oui Garen, Garen est bot. C'est bien. Ok ça va aller trop loin. Ça va beaucoup trop loin tout ça. Let's go. Voilà mec toi. Oh là attendez ce que là ça arrive sûrement au fond de la caisse, j'ai peur. Ouh. Mais ils veulent pas me laisser tranquille. Ça suffit, ça suffit. Du coup League of Legends, pourquoi moi je vous le conseille pas, bien entendu. En fait c'est même pas un conseil, c'est juste que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas les personnages comme ça heal? Parce qu'en fait si League of Legends est basé sur la fin de la game. C'est-à-dire que à la fin, il n'en restera qu'un. C'est Denis Brunard qui dit ça. Mais sur League of Legends, c'est pareil. C'est-à-dire que, dans l'idée, ce qui compte, c'est pas les dégâts que vous avez fait dans la game forcément, parce que vous pouvez être à 0-40 et gagner une game, ça arrive. Ce qui compte, c'est pas le heal que vous avez donné, non. Vous n'allez pas être récompensé ou perdre des points en fonction de votre performance. Et en gros, je mets des statistiques, un peu comme Overwatch du coup, des statistiques en mode... Tu as fait tant de heal, donc c'est bien en fonction de ce timing-là de la game. Par exemple, à 30 minutes, tu as fait tant de heal, c'est bien. On considère que tu joues bien ton perso à heal. Donc, tu gagneras peut-être plus de points dans une partie que tu as gagnée ou tu perdras moins de points dans une équipe que tu as perdue. Eh bien, ça marche pas comme ça, League of Legends. Parce que si jamais c'était basé sur ça, et je vous aurais dit, mais jouez Soraka, c'est free win. Si vous healez bien, si vous avez pas de mort, si vous wardez bien, vous déwardez bien, c'est free. Vous allez gagner énormément d'LP. Allez, broken. Mais du coup, ce n'est pas le cas. Donc c'est vrai, moi je suis d'accord que ça aurait été le meilleur truc. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui dirige et qu'est-ce qui lead League of Legends et la solo queue? Ce sont les dégâts. Et si jamais vous comprenez ça, bah, vous comprenez comment monter en solo queue. Donc oui, ça vous enlève énormément hein, sur le nombre de piques à jouer, sur les champions, tout ce qui est teammate dépendant, mais même pas forcément les heals, hein. Brom et compagnie, ça ne marche pas. Et là, du coup, eh bien, on arrive là où on veut pas arriver. En gros, les équipes sont plus ou moins even, c'est-à-dire qu'on a les mêmes gold, les mêmes trucs, et du coup, bah,
n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'on va gentiment, on va en late game. Et c'est pas ce qu'on veut, puisque en late game, ma Tristana va faire une erreur, va se faire one-shot par Lux. Et on va perdre la game ou... Oula. Ou perdre un Ashor, ou perdre des trucs décisifs. Et ça, c'est pas bon. Oh, le silence de malade. Dommage, ça aurait Tristana est pas venu. Le pauvre, il a appuyé sur. Oh. C'est trop mignon! C'est trop mignon, putain! Tu m'auras pas, frère. Tu m'auras pas, frère, arrête. Tu m'auras pas, frère, arrête. Tu m'auras, frère, il fait trop mal! Après lui, mais c'est vrai qu'il a 213 de farm! Et là, j'ai contre un AFK. Ah, mais c'est ça qui m'a fait mal en plus. Mon carry, hein. Malheureusement, mon carry, vous voyez, l'erreur du carry, l'erreur qui fait que, il le pousse. Et au lieu de se mettre dans le mur ici, il va tout droit. Donc, si on peut le R, il flash out en ligne droite. Donc, du coup, il prend quand même le R de Sion. Donc, moi, j'essaie de le tenir en vie. Mais vous avez vu que je peux pas faire plus. Je ne peux pas faire plus. C'est pas un blâme. C'est pas en mode une insulte ou quoi. Hein. Mais il n'est absolument pas capable de carry une game, en fait, tout simplement. Il n'en est pas capable et vous ne devez pas attendre après ça, c'est surtout ça qu'il faut se dire. Alors comme vous voyez le petit Veig là, le petit Vigor. Regardez-le, petit Vigor, qu'est-ce qu'il a? Il a ça, il a bientôt Rabadon. Je peux vous dire que même si jamais j'ai 800 fois son level, il est bien plus utile que moi. Et c'est un fait. Change tout. Et oh la vitesse. Allez les mectons, faut y aller. Faites votre boulot les mectons. Je meurs pas. Je meurs pas, je suis trop tranquille. Eh oh, regarde. Non. Ça y est, là, c'est parti. Allez, c'est parti. Eh, là, alors là, j'espère que vous retrouvez vos games. C'est exactement vos games. Là, vous pouvez pas me dire, d'ailleurs, moi, j'ai des meilleurs maîtres. Regardez. Donc, certes, j'ai eu un AFK en early, hein. Mais le Garen a retué Sion derrière. Et le Garen n'était pas forcément, enfin, je veux dire, il pouvait jouer, quoi. Vous avez vu? Voilà. Donc en fait, on y est exactement. On en est là. Ma Tristana a 7 morts alors qu'elle est à 2-0 early. Et early, bon, les autres play bot lane, mais c'est normal, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Et vous voyez que moi, je ne suis pas capable, je vous le dis, je ne suis pas capable de carry des silver, ni des bronzes, ni des fers. Alors des fers, peut-être si je la joue full AP, etc. Mais bref, en support... Comme ça, ce n'est pas possible. Si pour moi, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible pour vous non plus. Donc vous ne pouvez pas gagner avec un heal, et lorsque vous gagnez, vous vous faites carry. C'est un fait. C'est pas que vous êtes inutile, mais ça veut dire que votre équipe est meilleure que l'autre équipe, parce que vous êtes algorithmé. C'est pour ça que vous avez 50% de win rate, c'est pour ça que vous êtes stuck, c'est-à-dire resté bloqué, et que vous ne pouvez pas monter.